Bonsoir. Quatre accidents en un mois. C'est le triste constat établi par la gendarmerie aux abords de la commune de Is, dans les Hautes-Pyrénées. Hier encore, trois jeunes hommes ont trouvé la mort au volant de leur voiture, dans ce virage réputé dangereux, en rentrant d'une soirée arrosée. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ces accidents à répétition. En effet, près d'une cinquantaine de collisions ont été enregistrées sur cette route en moins de 10 ans. Élément plus troublant encore, tous ces accidents ont eu lieu au mois de juillet. Voici la déclaration de Monsieur Abadi, agent de la DDT. C'est vrai que les pluies estivales rendent particulièrement glissante la chaussée aux abords de ce virage, mais ne faut-il pas se poser la question si c'est tout simplement aux automobilistes de prendre leurs responsabilités en roulant beaucoup moins vite et surtout faire attention à l'alcool. Alors, qui doit-on blâmer, l'alcool ou le mauvais entretien de la route? Affaire à suivre. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une agréable soirée sur notre chaîne. Oui. Franck Darrel. Oui, j'arrive. Un album. Découvrez un artiste. Ça va? Ouais, bof. Et si t'arrives, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'avais pas rendez-vous, là? Je préfère pas en parler, là. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Elle était moche? Je sais même pas, elle est pas venue. Ah. Mais écoute, ça c'est des trucs d'avoir des rendez-vous sur Internet. Tu sais très bien que ça marche pas. Hein. Ou alors tu tombes sur des personnes bizarres. Ouais, mais attends, je sais pas, moi je fais que comme ça, je me vois pas aller dans la rue en aborder une, quoi. Mais bien sûr, c'est ce que fait tout le monde. Ouais, mais non, enfin... En plus, tu peux le faire, t'es pas mal. Enfin, t'es pas moche. Enfin, ça va, ça passe. Non, c'est sûr, mais bon, t'imagines. Salut mademoiselle, voilà, comment ça va? Enfin, ça fait ridicule, quoi. Mais t'as des techniques. Écoute, je vais te donner ma technique. Ça peut pas louper. Je dirais qu'on se voit un de ces quatre pour boire un verre. Et puis un petit resto, pareil, ouais, un petit resto, ça c'est bien ça. Voilà. Salut, salut. Tu es bien charmante. Bon, écoute, on est deux adultes. On sait ce qu'on veut. Non, pas comme ça.
deux adultes, on sait ce qu'on veut. Dépose où? Bon, bah vous me direz alors. Yes. Sinon, vous vous appelez comment? Vous savez, c'est dangereux de... Attention. ...de dehors la nuit. Quand... Vous vous rendez compte de ce... Elle est où? Vous rendez compte qu'on aurait pu se tuer là? Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux plus faire ça. T'es pas comme les autres. Oui. Bon, je vous ramène. Qu'est-ce qui vous est arrivé tout à l'heure? Pardon, mais... Et vous êtes d'où alors? J'étais avec mon copain, mais il a préféré rester alors. Je suis rentré à pied. Donc vous avez un copain? Oh, oui. Non, d'accord. Sinon, ça vous dirait qu'on passe un peu de temps ensemble là, donc je vous ramène. Pourquoi pas? You will find. You know. You just want to know. And now you will find, you know, everything about you alone. I couldn't be in my life. Everything I want to show, it's because you're the mine. You will receive tomorrow. You and I. I just want to know, and now you will find. Bon ben, j'ai passé une super soirée. Merci. You just want to know, and now. On essaie de se revoir. Super. Everything you want to know. I think you understand. All you want will come tomorrow. Like blood into my bed. You and we see you tomorrow. You and I, you know. Call your last chance, he's mine.
Bonjour monsieur. Et pourquoi? Est-ce que votre fille est là? Comment? Oui, bonjour. Oui. Voilà, je vous ramène le vêtement de votre fille. Elle a oublié à soir dans ma voiture. Elle est pas là? Comment vous avez eu ça? On est sortis ensemble hier soir et elle a oublié dans la voiture, donc je vous le ramène. Bon, si je peux lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, monsieur, il y a 10 ans qu'elle est morte. Assassinée au bord de la route, par les poivrons. Oui, monsieur. Ça, vous l'avez eu comment? Je sais pas, elle était dans ma voiture. Ça, c'était dans votre voiture. Reprenez ça, monsieur. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi, monsieur! Yeah.